Allez, salut tout le monde, c'est Azorik Perasia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 35 de notre Let's Play 100% sur Super Mario Galaxy 1. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cet épisode numéro 35 dans lequel, souvenez-vous, dans la précédente vidéo, nous avons récupéré 3 super étoiles. Nous avons terminé l'île sablonneuse. Nous avons fait l'étoile annexe dans le dôme chambre. Et nous avons également fait une comète farceuse, tout simplement, donc rouge, sur l'île sablonneuse. Alors aujourd'hui, du coup, ça veut dire que nous on va s'attaquer à la super grande étoile classe 5, tout simplement, du dôme chambre, dans lequel, ça sera Bowser, cette fois-ci. Donc on va y aller, on va y aller. Tu as reçu une lettre de la princesse Peach, vous connaissez la réplique. En même temps, on va voir s'il n'y a pas... Non, Luigi, on le voit d'ici, donc je pense pas que du coup... Ouais, regardez, il n'y a aucune lettre. Mais bon, je préfère quand même vérifier, on sait jamais. Parce qu'un jour, quand on va pas vérifier, vous allez voir, c'est à ce moment-là où ça va se passer. Il va y avoir un truc, une super étoile, par exemple, à récupérer. Bref, un truc à la con, quoi. Donc, écoutez, on va se rendre, du coup, dans ce dôme 5. Dans ce dôme-là, en tout cas. Dans le dôme chambre. Et on va, du coup, faire la super étoile de Bowser. Usine de matière noire. Usine de matière noire, d'accord. D'accord, bah on va aller voir. La fin des ambitions du roi maléfique. Bon. Ouh, la gravité. What the fuck? Oh, c'est Tetris, le truc qui se déplace en bas. Il y a même le D-pad. Il y a même le D-pad. Ok. On va parler un peu au bonhomme. Et ici aussi, c'est truffé de pièges. Fais attention à la gravité sur ton chemin. D'accord, donc là, il faut faire un peu plus attention. Ok. Hop. Bon, ça va. C'est pas non plus très difficile pour le moment, mais bon, je vais pas m'avancer trop là-dessus parce qu'on sait jamais. Ok, on peut maintenant aller de ce côté. La gravité, cette fois-ci. Again, oh my god. La gravité, ça me fait rappeler dans Mario Galaxy 2, hein. Le truc un petit peu plus trop gravitationnel. Ah, ça il faudra se déplacer en... Ok. Ah, c'est malin. C'est malin, regardez ce qu'il faut faire. Très malin même. Oh là, attention, ça non. Ça plus de piège. Bon, mais pas qu'on y aille parce que même si ça va nous basculer vers en bas, on sait jamais. Du coup, on va aller retourner là-dessus. Regardez, si cette marche, c'est pas pour rien. S'il y a ça, c'est vraiment pas pour rien. Là tout est à l'envers, donc là il faut se souvenir. Attendez. Attendre un peu. Bon, c'est pas difficile en soi, mais c'est un peu difficile à... Enfin, c'est pas difficile en soi, mais c'est difficile à comprendre en fait. Voilà. En fait, le problème c'est la compréhension. C'est un petit peu plus compliqué. Ah d'accord, bah heureusement que je n'ai pas été là, regardez, il y a un trou noir, donc ça aurait été vraiment la merde. Je sais pas ce qu'il y a là. Il y a des pièces, hein, regardez. Regardez ce qu'il y a. Un petit passage secret. Regardez. Oh, bah putain. Heureusement que j'ai les yeux de partout. Avec un... Allez. Oh, bon. Des pièces. Honnêtement, je pense pas que ça soit méga utile, hein. On n'est pas dans le Mario Galaxy 2. On est dans Mario Galaxy 1, hein, je vous rappelle. Les pièces ne sont pas non plus l'élément clé de ce jeu. Même ce sont sympathiques, hein, au demeurant, mais bon. Ah, yes. Allez, on est comme tout le monde. Allez. Nous montons. Ah, un goma. D'ailleurs, il y a des pièges un peu invisibles. À cause de la matière noire. Ben non, mon amour. Qu'est-ce que tu fais sur mon plan de travail? À cause de la matière noire, il y a des trous un peu de partout. Fais attention aux trous qui peuvent apparaître brusquement sur ton chemin. Ah, mais tu es en train... Oh putain, elle est en train de boire mon coca. Minou, non. Oh bébé. Elle a arrêté. Elle boit mon coca, mort de rire. C'est quoi ces chats qui boivent mon coca? Alors ça, je pense que c'est des pièges à éviter. Je pense qu'on crève ou on passe à travers. Ah non, je crois que c'est vraiment on passe à travers. Ça ressemble vraiment à des trucs qu'on passe à travers. Attention. Ouh. Ok. Ok, donc la vie, c'est un piège à con. Donc on vaut mieux pas aller le récupérer. Enfin, la récupérer vu que c'est une vie. C'est au féminin. Ah. En tout cas, c'est magnifique, regardez. C'est un truc un peu galactique et tout. C'est vraiment beau, hein. Ça, par contre, c'est très bien fait, ça. Même si, bon... ça représente pas du coup le sol, mais je pense que ça traverse tout, donc ça nous amène quand même de l'autre côté. Ok. Ok.
on reste un peu attentif. J'adore, il y a des pièces mais ça sert strictement à rien. Je pense au début les pièces servaient à quelque chose, mais ils ont dû faire un truc pour enlever l'effet de ce machin. Honnêtement, je pense que les pièces au début servaient à quelque chose, mais nous l'ont enlevé. Attention, alors ça pue la mort, donc il faut mieux rester là. Alors là, et du coup là il faudra après passer en dessous pour, parce qu'il y a la gravité qui est en haut. Regardez, tac. Et là la gravité sera en haut et après il faudra passer. Ah, c'est gris cette fois-ci, donc ça sera ce côté là qu'il faudra se rendre. Voilà, comme ça on va attendre un peu. Voilà, on va pas faire le petit saut parce que sinon on va déborder sur le verre. Oh putain, ça a l'air barge par contre. Ouf. Ah non, c'est un piège. En gros, si on le fait pas rapidement, c'est la mort assurée en fait. Ok, d'accord. Ben, c'est gentil en tout cas. Oh, c'est gentil. Allez, donne-moi la tapis de pièce. Même si ça sert à rien, mais bon, c'est sur notre chemin donc. Ah là. Ouh putain, il y a plein de Gumas. Wow. Ah, prendre ces escaliers. Yes, le petit champignon. Donc ça veut dire qu'on se rapproche de Bowser, hein, du coup. Merci beaucoup. De rien. Et du coup, Bowser. Oh my god. Tu es déjà là? Tu es bien mon ennemi juré, Mario. Mais je vais sur le champ te transformer en déchet galactique. Ok. Alors ça, il faut se souvenir, s'il faut les mettre, il faut le faire tomber là-dessus. Ok, c'est une nouvelle strat ça. Non, c'est une nouvelle strat aussi. Attendez, viens là. Oh merde. Là, tombe. Ouh. Mon dieu, c'est quoi ce truc? Ah. Boum. Ah d'accord, cette fois-ci c'est de l'autre côté. Boum. Bon, il nous manque une d'autre fois. Aussi. Ah, d'accord. Oula. Aïe, ça crame. Ok. Merde. Non. Oh, mais oui, putain. On connaît pas la strat. On connaît pas toutes les strates. Ça s'enchaîne d'une vitesse abusée. Allez, saute là-dessus. Parfait. Alors, du coup. Et un. Ok. Ouais, ben alors, putain, merde. Boum. Donc il nous en manque une dernière fois, je pense. Ça suffira. Donc là, du coup, il va être un peu plus énervé que d'habitude. Oh putain, on peut même pas se mettre là-dessus pour se protéger, quoi. Aïe. Ok. Waouh, c'est du taf. Oula. Alors ça, ils vont le faire trois fois, sûrement. Deux. Il faut s'attendre une troisième. Eh merde, oh putain, genre je l'ai pas esquivé. Allez, saute. Ah putain, il abuse. Allez. Voilà, viens là. Ok. Boum. Et un. Et deux. Et trois. Et nous avons du coup obtenu notre super grande étoile. Classe 5. Je reconnais bien mon ennemi juré. Enfin, cette fois, c'est trop tard. Pendant que nous faisons joujou ici, mon plan touche à son but. Dommage pour toi, Mario. Touche à son but. Et du coup, ça nous fait notre super grande étoile. Classe 5, les amis. La cinquième. Oh yeah, elle est magnifique. C'est une beauté. Elle est là. Enfin, on va pouvoir aller récupérer. Écoutez. Oh là là, c'est faut être totalement débile pour reproduire la musique. Quand même. J'imagine bien celui-là qui a fait le bruitage en français. Chez lui, enfin, pas chez lui, du coup, il est dans un studio, mais dans le studio, j'imagine que ses déplacements, ses mouvements. Et boum! Enfin. Oh. Classe 5. Ça ouvre le prochain chemin. Un téléporter.
Téléporteur, ok. Vous avez trouvé une étoile. Parfait. Et on va même pouvoir le faire. On va pouvoir commencer l'autre. Parfait. L'autre dôme. Une nouvelle galaxie a été découverte. What the fuck? Oh my fuck. What the fuck? Pour qui y a ça? Ça, c'est sûrement la Guanfrulema, ça. Bon, bah, en fait, on peut déjà terminer le jeu. Non, on va pas faire. On va pas terminer le jeu maintenant. Nous avons découvert où se trouve celle qui t'est chère. Regarde la plaque à tes pieds. Elle indique la puissance stellaire qui nous manque pour nous rendre au cœur de l'univers. Un peu de puissance nous est rendue à chaque fois que tu ramènes une super étoile. Et lorsqu'il aura atteint zéro, l'observatoire de la comète retrouvera ses capacités d'astronef. Et nous pourrons nous rendre au cœur de l'univers. Il nous manque une étoile pour nous rendre au cœur de l'univers? Ok. L'observatoire de la comète a recouvert toute sa puissance. Nous pouvons à nouveau voyager entre les galaxies. Et on va le faire parce que ça va débloquer un petit truc qui est très intéressant, vous allez voir. Le moment est enfin venu. Veux-tu te rendre au cœur de l'univers ou t'attends celle qui t'est chère? Alors, est-ce que c'est maintenant ou pas? Ou il faut atteindre un stade fatidique? Non, je crois pas qu'il faut atteindre un stade fatidique, on peut le faire. Ben écoutez, on termine le jeu aujourd'hui. On y va, j'y vais. Alors allons-y, alors on va terminer le jeu bien sûr à 50%, hein, c'est pas le 100%, il faut bien s'attendre à ça. Bien sûr, il faut bien s'attendre à ça. Que cette fois-ci c'est pas le 100% du jeu, c'est le 50%, mais on aura un 100%, ne vous inquiétez pas. Donc on se retrouve pour l'épisode prochain, après évidemment pour la suite de notre aventure sur Super Mario Galaxy, qui est loin d'être terminé parce que nous avons à peine récupéré 67 étoiles je crois. 67, donc il nous en manque bien davantage à récupérer. Donc il y a encore bien une soixantaine de vidéos devant nous. Et du coup, on va pouvoir se rendre au cœur de l'univers. On est obligé de la faire maintenant, je crois, parce que ça va débloquer quelque chose important pour la suite de notre aventure. L'intérieur du château est relié à une autre dimension. Ils sont par là. À toute voix. Oh là là, Rosalina, comme elle est magnifique, mamma mia. Oh mon dieu. Et du coup, nous, ça nous en avance vers le château d'Hyrule. Enfin, château d'Hyrule, oui. Château de Peach, château d'Hyrule, mais quel crétin, hein. Château d'Hyrule, oui, pourquoi pas, hein. Ah, pourquoi pas, après tout, hein. Ça aurait pu être le château d'Hyrule, hein. Qui dit... Usine galactique, qui détient la clé de destin de l'univers. Oh my fucking god. Oh my god. Maman m'a expliqué, tu te bats pas que pour nous Mario, mais aussi pour sauver celle qui occupe tes pensées. Fais bien attention, et surtout, tu dois gagner. Ce sont ces endroits illuminés qui sont à l'origine de la gravité. Utilise-les pour avancer. Ok. Enfin, si ça vient vers moi, ça serait bien. Alors, ok, donc ça, c'est vraiment au cas où la galaxie finale. Hein. On peut voir même l'arrivée en haut. Donc ça, c'est vraiment la galaxie finale. Donc il faut faire... Là, c'est une galaxie des plus... voire la plus compliquée, au cas où. Vu que c'est la galaxie vraiment qui permettra de terminer le jeu. À 50%, bien sûr. Parce que au cas où, on refera d'autres. Et évidemment, il faut reterminer le jeu une autre fois pour débloquer les autres 100 et quelques étoiles qui nous manquera. Alors du coup, ok, ouf, il faut être vigilant, hein, il faut vraiment être prudent. Ok, donc la première partie c'est fait parce que ça représente une partie au cas où. Ok, hop 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 hop. Aïe 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 aïe. Ouh lolo. Ok. Ok. On va pas récupérer la vie, c'est un piège à con aussi, hein. Donc honnêtement, j'ai pas envie de me faire avoir. Ah, d'accord. Des cubes un peu qui apparaissent. Ok. Des cubes de glace quand même. C'est très beau. Imaginez la version Switch comme elle va péter. Imaginez la version Switch. Bon, je sais que
Je me répète trop, mais avouez que la version Switch, vous l'attendez quand même. Ok. Allez, on continue. Non, oui, Super Mario Maker 2, Mario Kart 8 Deluxe, il faut espérer qu'on aura le Mario Galaxy quand même. Oh putain, c'est chaud. Non, 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 non. Oh putain. Non, non, non. Oh putain. Merde. Du coup, faut recommencer au début, non? Ou pas? Non, ça va. Heureusement, nous avons un petit spawn. Bah attendez, on peut... Ils ont mis ça. Ils savaient qu'on allait faire ça. Oh là là, ils sont malins. Ils sont malins, Nintendo. Putain, ils sont malins, mais c'est moi qui, à la force de faire le malin, va tomber. Cette fois-ci, pas dans le ravin, mais dans la lave. Là, c'est vrai que là, pour cette fois-ci, le ravin, ça ne marche pas. Ah. Oh, en même temps, ça te fait des fragments d'étoiles, écoutez. Hein. Ça ferait des fragments étoiles, donc... Hop, on va pouvoir speedrun. Speedrun. C'est pas grave. Ok. Du coup, prochaine épreuve qui est simplement là. Alors, elle, faut faire très attention. En fait, faut pas skip. Parce que en skippant les plateformes, c'est pire. Voilà. Attendez. Skip. Attention. Voilà. Regardez. Prochaine partie. On va où là? Ah, ok. 2, 3. Oh, d'accord. Putain, oh, tiens, ça va être un labyrinthe. Ça va être un labyrinthe, les amis. Ok. Oula. Oula, oula. Ok. Ouh, putain, mais tu peux pas l'esquiver, ce putain de truc. Oh là 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 là. Oh, que c'est chaud. Oh, que c'est chaud. Il me faut des pièces, là. Il me faut des pièces. C'est ultra important. Oh, putain, pas ça. Tout sauf ça. Non, 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 tout sauf ça, j'ai dit. Oh, non. Oh, putain. Heureusement que on a eu des pièces. Heureusement que nous en avons là aussi. Ils ont été cléments sur les pièces, par contre. Bon, pour la version Switch, elle risquerait pas de nous faire des cadeaux, donc... ça va être un peu plus difficile, mais... parce qu'au cas où, ils adurcissent les jeux, hein. Pour les portages, donc enfin ils facilitent mais ils endurcissent quand même. En fait ils endurcissent la difficulté du jeu mais pas la, mais en fait ils facilitent le gameplay. Ok. Oh putain, il faut être actif ici, hein. Oh, oh mon dieu. Ah putain de ta mère. Allez là, on y va. Et nous sommes en direction du boss final. Et il y a même un petit power-up. Eh bien, qu'est-ce que tu cherches? La princesse Peach est ici. Ma, oh là là, la chérie. Oh la pauvre. Il y a un glitch ici, je sais, pour broken le jeu, mais on va pas le faire. C'est à partir de ce point-là, mais bon, on va pas le faire. Oh non, là j'ai rien dit en fait. J'ai rien dit. En fait, c'est quand il active ça, il faut pas qu'il active. Ok. Full vie. Oh, ça c'est un piège à con, on va pas le faire. Et nous y sommes à Bowser. L'heure est enfin venue. Il est temps. Enfin, il était temps. De mettre la touche finale à la grande planète impériale qui sera le cœur de mon nouvel univers. Ouvre bien grand tes yeux. Waouh. Autour de cette étoile avec Peach, je vais bâtir notre grand empire galactique millénaire. Et tel un nouveau Big Bang, mon empire s'atteindra bientôt dans tout l'univers. S'étendra. Mais avant cela, Mario, je vais te faire disparaître une bonne fois pour toutes. Il dit ça à chaque jeu, hein. Il dit ça à chaque jeu, hein. Est-ce qu'il y arrive? Réponse, ben non. Il n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais même pas ce qu'il faut faire, en fait. Oh, putain. Non, j'ai trouvé ce qu'il faut faire. Voilà, putain, en fait, c'est... oh, putain, c'est de l'impro, quoi.
Poum! Putain, c'était de l'impro. Il faut faire ultra attention. Une, deux, trois. Poum! Ok. Nous y sommes. Et... Poum! Ah, d'accord, il a plusieurs faces cette fois-ci. Comme ça, d'accord. Donc, je comprends bien pourquoi alors celle-là. Bah, vu qu'il n'y en avait que deux, je pense que du coup, c'est la dernière face celle-là. Ah, j'ai compris ça, ce que c'est. Voilà, j'ai compris. Et bah, oh putain, merde. Boum! Ok. Oh là, oh là, oh là, calme, calme. Ça, j'ai compris. Allez, hop! Et du coup. Un, et le dernier coup final! Yes! Ah, même pas? Nous l'avons pas eu? Ah, ça c'est l'ultime planète du coup. Ah, d'accord, j'ai compris. Ok, d'accord. Alors là, maintenant, c'est tout les strates normalement qui vont s'achaîner. Là, il faut connaître les strates. Ah, oui, d'accord. Donc, ça, ok, il faut les esquiver. C'est pas ça, c'est des pièges à con. Ça nous empêche de faire des choses. What? Ok. Putain, en fait, je suis au courant de rien, moi. Boum! Et un. Et deux! Yes! Ok. Il s'énerve un petit peu, le bougre. Le bougre, il s'énerve. Ok. Aïe. Zai. Braille. Fear. Fum. Oh, God! Ok, donc là, il faut refaire la même chose. Alors, je pense qu'il faudra se préparer, du coup, en hauteur. Je tourne autour de ça parce que c'est là sûrement qu'il va. Voilà, regardez, il s'y rend tout seul. Nickel. Donc, allez. Boum. Et un. Deux. Ah, c'est le coup final celui-là. Boum. Oui. Finish him. The girl, oh my god. Fini le jeu. Fini le jeu. À 50% bien sûr. Parce que du coup, le let's play ne s'arrête pas là. Je pense que vous vous en doutez. Ce serait un peu trop facile. Alors évidemment, je suis au courant de tout le jeu. Je connais le jeu, bien sûr. La deuxième partie du jeu, donc après les 120 étoiles, au cas où, je la ferai comme je ferai pour Pauvre. Je laisserai du temps pour le let's play, le temps de le temps qui souffle un peu. Et on le reprendra dans peut-être du coup dans un an. Comme ça, au moins, ça permettra de laisser une pause et de reprendre dans un an. Et évidemment, du coup, ça annule rien les let's play actuels. Donc vous aurez cette fois-ci beaucoup plus de Zelda, Breath of the Wild, qui lui en tout cas est beaucoup très long. Donc en un an nous avons un large choix. En plus il va y avoir Spyro Trilogy, il va y avoir, je sais même pas si déjà est-ce que les 120 étoiles je vais les obtenir avant Spyro ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais dites-vous qu'il va y avoir en termes de let's play une grande diversité et tout, qui va remplacer un petit peu de ce Mario Galaxy 1. Et promis, l'aventure après les 120 étoiles, on les reprend avec et en main, et on est parti pour la suite tout simplement. Et du coup nous volons avec Peach. Oh là 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 là, même moi je suis en train de voler là, je suis en train de reproduire tout ce que fait Mario. Ah mon dieu. Et du coup la galaxie de Bowser qui, d'ailleurs au passage, était un soleil en fait. On s'en rend pas compte, mon dieu, c'est un soleil, hein. En train de s'effriter. C'est comme ça que ça sera notre fin du monde. Hein. Ah, vous rigolez, mais dites-vous que ce jeu prédit la future, hein, donc. Dites-vous que ça, c'est vous dans 50 ans si on continue à avoir des canicules comme ça. Je sais, hein, c'est. Vous comme moi, vous, je m'inclus dedans, bien sûr. Donc, en fait, ONT, si vous voulez. Comme ça, on s'inclut tous dedans. Mais bon, la phrase n'allait pas être français. ONT, on sera comme ça dans 50 ans. C'est pas beau à dire. Ma galaxie, mon univers, il s'effronte. Enfin, il s'effronte. Et du coup, le soleil disparaît pour laisser place au vrai soleil. Et boum. Waouh. Que c'est beau, putain. Mais que c'est... Imaginez la version Switch. Parce que là on dit que c'est beau, mais la version Switch va être Mamma Mia. Comme on dit, ça va être un cas grave. Ah,
Ah là là. Du coup, on aura fait une super grande étoile et on aura obtenu une deuxième grande super grande étoile. Bon, et non, elle sera pas comptée parce que la super grande étoile, qui est la dernière, sera dans le dôme qu'on a débloqué actuellement. En fait, au cas où, là, on n'est pas censé... On a tellement tout récupéré maintenant qu'on n'est pas... normalement, on n'est pas censé s'y rendre maintenant dans cette galaxie. On est censé s'y rendre après avoir fait l'étoile de la classe 6. Normalement, un joueur normal, lambda, serait, après avoir fait le dernier dôme, le dôme 6... le dôme 5 pardon. Bon, c'est pas le vrai dernier dôme parce qu'il y en a un autre derrière, mais entre guillemets le vrai dernier, l'avant dernier dôme avec la super grande étoile. Normalement, c'est la dernière super grande étoile qui permet de simplement d'aller là. Mais on a tellement récupéré d'étoiles, en fait, on a déjà fait la moitié du jeu alors que nous avons à peine débloqué ça. Donc du coup, c'est pour ça nous a compté pour ça. De nouveaux bébés étoiles sont nés. Un jour, ils formeront sûrement une nouvelle galaxie. Et Mario en bébé. Vous attendez les pleurs du bébé. En fait, dites-vous que c'est émotionnel. Mario, c'est pas un bébé, mais Mario, c'est son imagination, là. Lorsqu'une étoile s'éteint, elle se brise et vole en éclats. Puis lorsque ceci s'amasse, il forme une nouvelle étoile. Et le cycle de la vie recommence. En fait, j'ai dit qu'il y aurait sûrement une pause dans l'LP, mais je suis en train de me rendre compte que ça va dépasser Mario. Enfin, sinon Mario Galaxy va être supérieur, donc non. Enfin, Mario Galaxy doit être supérieur, donc oubliez ce que j'ai dit. Cependant, ce n'est jamais tout à fait la même étoile. Donc en fait, après les 120 étoiles, on fera comme d'habitude. Le lendemain, il y aura sûrement une Mario Galaxy épisode machin chose et tout. Ouais, je pense que je vais fonctionner comme ça. Et ainsi, on voit les cris de bébé et tout. Ça. Enfin, on les entend. Voilà, 50% du jeu fait. Et moi après j'arrête mon tournage ici. Et on reprend. Et moi je reprends dans je sais pas quand j'aurai tout monté, tout fait. Parce qu'après j'ai d'autres vidéos à tourner. En fait honnêtement je vais vous dire, j'ai deux vidéos de Mario Galaxy à tourner. Donc j'en ai tourné deux de Mario Galaxy 1. J'ai du 3D World et j'ai du Twilight Princess. Donc 3D World deux épisodes et Twilight Princess. Je vais en tourner 4 ou 5. Mais en ce moment, je n'en ai pas trop la planète, je pense que vous l'avez vu, mais... Et là, vous allez voir, on va voir à peu près tous les monstres du jeu. Tous les monstres, je vais devenir gentil, en fait. Ils vont même Bowser Junior est gentil, pour vous dire. Tout, même la dino Piranha. Et même, regardez ce que vous voyez. Oui, vous avez bien vu la carapace de Bowser. Mais Bowser va pas... Enfin, c'est un peu compliqué, l'histoire, parce que du coup, Bowser, il n'est pas vraiment mort. Bowser, ils ne feront jamais mourir Bowser parce que c'est un personnage qui marque tellement. Ils peuvent jamais faire dans un jeu vidéo faire mourir Bowser. Sinon, ça serait la fin de Mario. Pour qu'ils fassent mourir Bowser, c'est qu'ils doivent faire une. C'est qu'ils assument de faire une fin à Mario. Est-ce qu'il y aura une fin à Mario? Oui, probablement. Pas tout de suite. Je pense qu'il y aura une fin à Mario. Chaque nouvelle vie qui naît hérite de la mémoire des éclats d'étoiles. C'est aussi le cas pour vous. Et là. Yes! Et oui, donc, au cas où, il n'y en aura pas pour le moment parce qu'ils doivent faire. Il y a tellement de jeux qui doivent. Pour faire une fin à Mario, au Mario, et laisser une suite chronologique, ils doivent faire Galaxy 3, Sunshine 2, qui seront les ultimes. Et voilà, là c'est les crédits. Et je vais un peu vous parler parce que dites-vous que pour faire une fin à Mario, ça sera. Enfin, la licence Super Mario, il faut réussir à réunir tous les Super Mario. Les portages, ça comptera pas parce que les portages, c'est des anciens Mario Galaxy qui se remettent au bout du jour, mais l'histoire ne changera pas tellement en fait. Ça s'impactera pas sur la chronologie de base. En fait, la seule chose, c'est les nouveaux Mario, les nouveaux opus. Pour mettre un terme à un vrai Mario, je pense que honnêtement, Galaxy 3, ils vont le faire. Et je pense qu'ils sont en train de le faire. Le Sunshine 2, il faut qu'ils le fassent pour que ça suive la chronologique. Donc ça sera l'ultime Mario Galaxy, hein, ça c'est sûr. Il y aura certes les DLC qui seront un peu un ajout. Mais au cas où, ça influera pas sur la chronologie Mario.
Mario Sunshine 2, pareil. Il faut un Mario Sunshine 2 pour mettre fin à l'histoire, donc c'est ce qui nécessite. Dites-vous que pour mettre fin, il faut suivre un fil rouge. Et dans ce fil rouge, il y a Mario Sunshine 2, Mario Galaxy 3, pas que lui, bien sûr, parce qu'il y a des nouveaux opus. J'imagine peut-être un futur Mario Odyssey, Mario Odyssey 2. Pourquoi pas, ils ont déjà fait Zelda Breath of the Wild 2, donc je pense que la suite de Mario Odyssey est clairement attendue, donc Mario Odyssey 2. Et je pense que, sûrement, avec ça, il va plus y avoir de Mario pendant bien longtemps, et bien longtemps, comme peut-être 5 à 10 ans, honnêtement, hein, 5 à 10 ans, pour laisser place à un Mario ultime, un Mario qui va révolutionner la licence Super Mario, et pour pouvoir mettre fin... s'ils veulent mettre fin à la licence Super Mario pour se dire voilà, on a tout fait avec Mario, on ne sait plus rien faire, on pourra plus rien faire avec Mario. Pour finir ça, et là c'est peut-être là au moment où Mario, enfin où Bowser risquerait de mourir, parce que du coup ils vont mettre fin à la licence, à part si peut-être ils rebootent la série dans une trentaine, quarantaine d'années. Mais honnêtement, je pense que il va y avoir une fin à Mario qui est un petit peu plus proche que nous qu'on le pense, parce que quand même, pour mettre fin à Mario, comme je vous ai dit, il faut Mario quoi ? Il faut Mario Bros, aussi le nouveau Super Mario Bros, j'ai oublié de le citer. Mario Kart, mais lui ça suit pas une chronologie, donc on peut l'enlever. Donc Mario Kart, on va dire, c'est une genre de spin-off à la Mario. Enfin Mario, c'est une genre de spin-off Mario, parce que ça suit pas une trace logique, il y a pas d'histoire, il y a rien. Donc il faut Mario Bros qui suit la chronologique. Donc il faut le Mario Bros, il faut le Mario, l'ultime Mario Bros, l'ultime Mario Galaxy, donc Mario Galaxy 3, et l'ultime Mario Sunshine. Et pour déjà, on va dire, aller sur la finalisation, et ensuite le Mario Odyssey, bon, même s'il sortira avant le Mario Odyssey 2, mais le Mario Odyssey 2. Et peut-être à partir de là, une fois qu'ils auront fait ça, peut-être dans 5-10 ans, il y aura même pas de jeu Mario. On n'entendra même pas attendre, on va peut-être pas en entendre parler. Et peut-être dans une IA, enfin une E3, bien plus tard, mais vraiment assez tard, peut-être dans les années 40, voire 50, 2040, 2050, pour mettre fin à la licence Super Mario, et pour que ça marque à l'esprit des gens que cette licence, depuis bien 100 ans, elle a existé. Parce que du coup, ça va faire peut-être 100 ans. Hein. À la limite, ça va bientôt toucher les 100 ans, la Super Mario. Et du coup, pour mettre fin à cette licence, il faut un super méga jeu. Et en 2050, voire 2040, ils auront tellement de possibilités, tellement de grosses possibilités dues à la technologie, dues à l'avancée de la Switch qu'ils pourront faire. Du coup, ils pourront faire en sorte de pouvoir casser tous les codes, et du coup, de réunir un peu tous les univers. Et du coup, qui dit réunir tous les univers, dit mettre fin à la licence Super Mario de base. Donc voilà, fin. Et voilà. Un nouveau chapitre a été ajouté au livre d'histoire. La comète violette est apparue. C'est celui-là. Et du coup, on va s'arrêter là, mes amis, pour cet épisode. Merci de m'avoir regardé. On va se laisser sur les camps de titres. Voilà, on va pas démarrer le jeu parce qu'il y a un petit changement qui va se passer. Donc je ne vais pas changer de jeu pour le moment. Je vous remercie du coup de m'avoir suivi pour cet épisode numéro déjà 35 de Super Mario Galaxy 1. On s'attaque du coup à l'épisode 36 une prochaine fois, dans lequel nous ferons du coup les comètes. Alors je pense que oui, il va y avoir plein de comètes violettes. En fait, toutes les galaxies où il nous manque des comètes violettes. En fait, toutes les galaxies où il nous manque une couronne, c'est les comètes violettes. Donc du coup, je pense que la prochaine fois, ça sera spécial épisode des comètes violettes, parce que je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Et du coup, voilà. Donc merci de m'avoir suivi. On se dit du coup à très vite pour l'épisode numéro 36 de Super Mario Galaxy 1. C'était Azuric Perasia. Oh yes, allez, bye tout le monde.